Coucou mes petits hérissons, c'est ça, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de nos épisodes sur Horizon Zero Dawn. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu. Je m'en excuse, j'ai été pas mal pris, j'ai pas pu le finir. Entre Mass Effect, les vidéos de gameplay, mon taf, les projets perso que j'ai pour la chaîne, que j'essaye de faire ça au plus rapidement. Je vais pas vous mentir, j'ai été pas mal pris. Donc on va aller parler au Roi Soleil, on va voir combien de temps il nous reste. Un peu d'aventure, donc let's go, c'est parti les amis. Faudrait que je mette aussi un petit chronomètre pour savoir dans combien de temps j'enregistre, parce que sinon, parler au Roi Soleil. J'essaie de faire. Combien de temps je mets pour enregistrer. Hop. Attendez. Voilà, on va parler à Vad, je vais faire ça pendant le temps. Aloy, qu'est-ce qui t'amène à Méridian? Une menace. L'éclipse s'apprête à attaquer, par l'ouest. Avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur? Oui. Envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyez des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridian et le bûcher. Juste sous la flèche. Aloy, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir, je souhaite m'engager dans la bataille avec ton pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien, je suis content que ce soit derrière nous. Bon. Il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout, mais je te dirai ce que je peux. Ok, donc parler au roi c'est fait, parler à Marad l'irréprochable. On va aller parler à Marad l'irréprochable. Let's go! Il est par où Marad? Pour l'instant il me dit qu'il a 30 mètres, mais à chaque fois que j'arrive il me dit qu'il a encore à 30 mètres. Il se fout de ma gueule. Citoyens paniquent, ce sera ah, il est là. Pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Et moi je veux te parler. Marad! Ah, Aloy. Les défenses se préparent sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les quatre coins de l'Hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi? Ne te sous-estime pas. La crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes? Oui, assistés par les renforts dont je te parlais plus tôt. Les canons au céram qui ont fait trembler les murs de Méridian à la Libération, nous défendrons. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche? Eren et l'avant-garde y sont? En effet. En train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Nora ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin Delverson te soit réservé. Tu peux y dormir, ou essayer. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il nous propose? Se reposer avant la bataille finale, se rendre sur les deux sites défensifs
passer en revue les préparations de la crête et passer en revue les préparatifs de la crête facultative, de la flèche facultative. Donc c'est par où tout ça? Artisanat, carte. Là c'est se reposer avant la bataille finale. Bon, on va vite fait aller faire un tour sur les défenses. De toute façon, je pense que c'est facultatif, mais on en prendra un peu plus sur l'histoire. Et on n'est pas pressé non plus, on n'est pas 2 minutes près. Hein. Let's go. Donc là. Les fichiers endommagés ont été réparés. Ok. Toc. Donc ça c'est quoi? C'est passer en revue. D'accord, la crête. Passer en revue les préparatifs de la flèche. Se reposer jusqu'à la bataille finale. Doit en manquer un. Ah oui, d'accord. En gros, faut que j'aille vers le 2 et le 4. Et le 2 et le 3. Et le 1, bah, ça peut attendre. Est-ce qu'on pourrait pas se TP pour que ça aille plus vite? Bah tiens. Ah, et j'ai pas de... artisanat, déplacement... Ah non, j'ai pas de viande grasse. Merde. Je les avais utilisés tout à l'heure. Faudrait que j'en trouve. Tiens, avec éventuellement ici, je vais peut-être en trouver. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Non, les éclats. Bah voilà. Qu'on descende par là. Qu'on descende par là. Bon, là, ça va être un peu long du coup. Donc, allez, utilisez la santé. Dommage qu'on peut pas sauter. Donc là, j'ai une nouvelle armure aussi. Je sais plus si je vous l'avais dit. C'est une armure spéciale qui me permet de repousser quelques petites attaques. Donc, tiens, attendez, regardez. Modifier la tenue. Elle est où? Protectrice. Partisan de l'ombre. Donc, c'est laquelle qu'on a. Est-ce que ça me le dit? Inventaire, tenue. Voilà, c'est celle-là. Porteuse de bouclier. Une technologie archaïque récupérée par Aloy et cousue sur du cuir de Nora. Projette un champ de force absorbant. Les dégâts se rechargent pendant un temps une fois épuisé. On a un petit, c'est pour ça que des fois vous la voyez brilloter un petit peu. On a un petit champ protecteur au-dessus de nous. Et aussi, ouais, l'arme, ça par contre vous l'aviez vu là. Là on est en mode super guerrière quoi. Allez, dépêche-toi. J'aimerais bien aller facultatif, mais bon, si on peut en apprendre un peu plus, tant qu'à faire. On va essayer de retrouver un peu de viande grasse. Comme ça on va fabriquer un TP. Allez, utilise ça. Allez, allez. Donc là, c'est à 150 mètres et à 300 mètres. Bon, ça va se faire assez vite. Par contre, on n'a pas de monture. On a quelques potions, ça c'est cool. 7 potions comme ça, 9 potions comme ça. Donc là, on est plutôt paré. En vie, on a que 2 barres. Mais bon, ça devrait le faire, je pense. Je pense, hein. Ok, let's go. Tiens, regardez. Avec un peu de chance, on prend tout. Et let's go. Donc la crête est par là-bas. On va essayer d'y aller. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Tiens, on va fabriquer des munitions de celle-là. Celle-là aussi. Allez, encore une. Est-ce qu'on peut en fabriquer de ça? Là, on peut plus. Bon, au moins, on a rechargé un peu de munitions. Toc. Niveau 2. Allez, dépêche-toi. Faut aller où? Je n'arrive pas à croire que ça se soit produit. Aloy! Je t'avais dit que je viendrais. Je m'en souviens. Mais tes blessures ont eu le temps de guérir? Entre nous, si je combats, mes sutures risquent d'éclater. Mais t'en fais pas. Je laisserai ça aux autres Nora, à la flèche. En fait, je m'occupe du ravitaillement. Les Karja m'ont fait intendant temporaire. Va savoir ce que c'est. C'est impressionnant. Ce n'est pas désagréable. On va préparer des réserves d'armes et de médicaments sous ces bannières. Ne l'oublie pas pendant le combat. Aloy, quand tu es entré dans la montagne, la déesse, elle t'a parlé d'une victoire? Elle n'a pas eu à le faire. Je sais qu'on peut gagner, Thèbes. Alors d'accord. Je suis content que tu combattes. Cet endroit,
ça n'a vraiment rien à voir avec les terres sacrées, pas vrai? Ah bah oui, ça ressemble pas aux terres sacrées. Donc là, on a... on n'a pas fait... C'est pas où qu'il faut aller. Attendez, je suis perdu là. Passer en revue les préparatifs de la crête. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Non, je comprends pas en fait. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je regarde? Petra, la voilà, l'invité d'honneur. Je savais que t'étais pas comme les autres. T'as été forgé dans le même acier que les plus grands. Et je dis pas ça à toutes les Noras qui traversent ma ville en coup de vent. Parce qu'il y en a beaucoup. On a construit un mur pour les contenir. C'est pas les murs qui m'arrêtent, moi. Ça m'a manqué, nos discussions. Marat m'a demandé de vérifier l'arsenal. Les canons ont bien vieilli. Comme tous les Océram, non? Ils faisaient la fierté des forges de prime source. Alors j'ai mis un point d'honneur à les améliorer. Je peux essayer? Tout le monde me demande. Fais-toi plaisir. Les cibles devraient être un tantinet moins coriaces que ces saletés de bandits. Je présume que c'est ça qu'il faut que je peux prendre. Hein? Canon en céram, maintenez L2 et... Ouais, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure en fait. Ok, donc on laisse ça. Bon, on a passé en revue les points par ici. Donc faut qu'on aille au petit 2 qui est là-bas. Passer en revue les préparatifs de la flèche. Let's go. Donc en fait, ceux qu'on a aidés pendant nos missions... Ils sont venus nous aider. Donc Petra, il me semble que je l'avais fait de mon côté. Elle, c'est une fille que j'avais, une quête secondaire que j'avais fait et dont elle est venue m'aider en fait. Ok. Tiens, éventuellement s'il y a du soin, on va les prendre. Allez, récupère là. Et s'il y aurait des petites bestiaux à chasser, mais bien sûr que non. Ça aurait été trop beau. Et là, faut qu'on monte au-dessus. Ok. C'est d'y aller. Ah non, faut... Si, faut... Non. En fait, faut aller par là. Donc, la flèche se retrouve... Oui, si, en fait, j'avais raison, fallait monter au-dessus. Pourquoi ça n'a pas voulu le faire dès le départ? Je ne sais pas. Enfin, pourquoi ça me l'a pas indiqué? Peut-être que c'était le chemin le plus court. Donc, pas de bestioles, c'est chiant ça, on peut pas chasser. En fait, faut monter. La flèche, c'est ça, il va falloir monter, il va falloir faire tout le chemin inverse. J'aurais bien pris un TP. Mais bon, puisqu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Let's go, allez. Ça va être long la descente. Hein. J'espère qu'il y a une petite tyrolienne parce que. C'est ça la flèche. Oh, c'est quand même magnifique. Hein. Faut éviter de tomber, mais. Ok. Donc là, faut parler à ce groupe-là et parler au groupe là-bas. Ça, c'est quoi? C'est des Noras? Ouais, c'est des Noras. Bonjour, Aloy. Non. Ne vous inclinez pas, l'élu n'aime pas ça. Elle n'aime pas tellement non plus qu'on l'appelle l'élu. Je suis contente de te voir, Varl. J'avais promis. Alors, Méridian, t'en penses quoi? J'ai vu des tas de choses étonnantes depuis que je te connais. Je t'en remercie. Varl, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vraiment savoir? Très bien. Je suis en terre inconnue, une terre souillée, pour défendre une ville de mécréants qui ne ressemble à nul autre, qui dépasse tout ce que j'ai jamais pu imaginer. Et toi? Après tout ce qui s'est passé, ce que tu as fait, je voudrais me mettre à genoux et te vénérer, mais je sais que ça te déplairait. Eh ben, c'est pas facile pour toi, hein? Merci d'avoir dit aux autres de ne pas s'incliner. J'ai vraiment pas besoin de ça. Ne sois pas trop dur. Ils ne viennent combattre que parce que l'élu l'a demandé. Et toi, c'est pareil? Non. Je serais venu rien que pour te revoir. Et
Parce qu'il faut affronter un démon de métal, la déesse l'a dit. Ou toi, tu l'as dit. Je crois que la déesse et moi sommes d'accord. Et nous te remercions. C'est normal. Ok, donc on a parlé à Varl, maintenant faut qu'on aille parler aux mecs qui sont tout en haut. Ça doit être quoi? Ça doit être les guerriers au Céram, ça, avec Eren? Alors, c'est qui les ennemis? Le nom de leur groupe, c'est l'Eclipse. À l'œil. Nous y revoilà, parés pour la bataille. Sauf que cette fois, l'ennemi ramène de sacrés atouts. Faut s'attendre à quoi, en fait? Je sais pas trop. Mais ils vont être nombreux, et ils auront des machines. Et si on les laisse passer, il n'y a pas que Méridian qui tombera. C'est le monde entier qui disparaîtra. Ah. Oui. C'est le genre de combat qu'on aime. Hein, les gars? Et l'avant-garde, elle est où? En première ligne! Et pourquoi? L'acier, nous devons le faire! Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les cogner jusqu'à ce qu'ils ne se relèvent plus! Et ouais! T'as vu ça? Personne ne franchira l'avant-garde. On est là pour Méridian. Et aussi pour toi. Merci, Erend. Ersa serait fier. Seulement si on gagne. Ok. Ok, ok, donc il nous reste des trucs à aller parler, donc ça doit être des mecs par là-bas. Je présume que si j'aurais fait un peu plus de quêtes secondaires, bah peut-être que d'autres personnes seraient venues m'aider. C'est qui ça? Elle s'élève plus haut que la cime des arbres. Ah, Chef Sona. Chef Sona, tu as l'air mal à l'aise. Les Nora ne sont pas chez eux. Je ne suis pas chez moi. J'affronterai le démon de métal qui nous menace, mais ma place est dans les terres sacrées. Cet endroit n'est pas bon, tout m'est insupportable. Je suis désolée de t'infliger ça. Ne t'inquiète pas, nous triompherons, je le jure, par ma lance. Ok, donc petit truc terminé aussi par ici. Bon bah let's go, on retourne à la maison. Maintenant, on va faire tout le chemin inverse. Et vu qu'il n'y a aucun marchand pour acheter de la bouffe, on va être obligé de se taper ça à pattes. Ça, c'est ce qui m'enchante le moins. Ok. Et on, bien sûr, on va pas sauter parce que c'est une mauvaise idée. Bon, par contre, on va peut-être pouvoir grappiller du temps comme ça. Hein ? Grappiller quelques mètres. Là, ça a l'air d'être un peu haut. Par contre. Oh putain. Oh, heureusement que j'avais le bouclier. Je me suis pas pris de dégâts du coup. Tant mieux. Là. Je vais voir s'il n'y a pas de poisson par ici. Non. Bon, bah tant pis. On va. Faut qu'on passe par là. Ok. Ok, ok. Là, ouais, c'est le bon chemin. C'était pas forcément le chemin le plus court, mais c'est le bon chemin. Ça, c'est quoi? C'est des nuphars. Ça a l'air d'avoir. Ah, c'est de la roche qui est en dessous. Ok. J'étais en train de me dire, est-ce que je peux la chasser? Mais je ne pense pas. Là, faut qu'on remonte du coup. Oh, c'est ça qui va m'emmerder le plus. C'est remonter la tour. Oh là là. Ah, ça, c'est vraiment, n'empêche, c'est vraiment sublime, vraiment joli. J'adore cette ambiance, cet univers. Donc. C'est par là, on va y arriver, on va y aller. Voilà, c'est par là. En train de chercher où qu'ils étaient les ascenseurs. Allez, on monte. Utilisez l'ascenseur. Le seul avantage de venir d'ici, c'est que les ascenseurs sont déjà en bas au moins. Toc. On s'entraîne au combat dans l'ascenseur. Pauvre.
village de Méridian. Oh. Donc là on est à peu près bien, on est chargé, on est bien équipé. Il n'y a plus qu'à combattre. Hein. Des flèches de feu, ça peut toujours servir. Allez, let's go. On retourne à la maison. Et faut aller dormir par là-bas. Ok, c'est par là. Et là après. Ok, c'est par ici. Si vous m'indiquez mal chemin aussi, comment tu veux que j'y aille? Okay. Petit chemin dans les petites ruelles. Le logement d'Olin. Il fait vide. Est-ce que je dors ou est-ce que j'ai encore des choses à faire? On va dormir. Allez. Voilà, se reposer avant la bataille. Se reposer avant la bataille, décision irréversible. Bon bah let's go. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire d'autres quêtes annexes et préparer d'autres trucs. Peut-être ramener d'autres alliés. Comment pouvais-tu dormir, Elisabeth, avec cette pression sur tes épaules? Et toi, Rost, après avoir perdu ta famille? Silence? Tu es là? Pourquoi je demande conseil à un fantôme? Ok. 17 000 d'XP, points de compétence acquis. Madame, il y a des signaux à l'ouest. Le roi Soleil Abad vous attend au Temple du Soleil. Au bord de l'extinction. Bah, c'est parti. Fait une sale tête quand même le roi. Serait-ce des feux de camp? Ceux des forces qui se préparent à entamer leur marche vers la ville? Ce n'est pas ce genre de fumée. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin. Ou tout du moins son commencement. Ah ouais! Démarche mort. Les portes mortes dont tu as parlé. Au canon. Au canon. Maintenant. Par le soleil, faites ce qu'elle vous dit. C'est là que ça commence. Attention, préparez-vous à tirer. Est-ce que les canons vont suffire? On va pas tarder à le savoir. Le salaud. Elise. Non. Rassemblez l'avant-garde et envoyez vite des renforts. Aloy, non. On a besoin de ces canons. Mais tu vas te faire massacrer. Ça, je demande à voir. Ah, ça commence. Toi, tu me lardes depuis trop. Bon. Dans la fosse, niveau 33 atteint. On a 3 points de compétence. Qu'est-ce qu'on peut acheter qui pourrait être intéressant? Ça peut pas forcément...
Riposte, les attaques lourdes à la lance infligent des dégâts accrus quand la santé d'Aloy est basse. Ça, on s'en fout. Ça, peut-être que ça peut être intéressant, j'hésite. Hein. On va plutôt prendre ça. Allez, hop. J'ai raté. Yes, de la viande grasse. Pourquoi résistes-tu? Pof, il est mort. Il est destructeur fanatique. Est inévitable. Pop, 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 pop. Par contre, j'ai pris cher là. Si je peux essayer de. Ah! Genre en un coup il me tue. Ah non non non, ça va pas être possible ça. Va falloir que je m'occupe des petits avant de s'occuper du gros, parce que là fait trop mal le monsieur. Ta fin est proche. Toi, tu me largues depuis trop longtemps. Pourquoi tu ne m'as pas affronté dans la fosse alors? Oh. Toc, on va prendre ça. Accepte-le. Accepte tes faiblesses. Oh. Genre t'es pas mort. Pof, toi t'es mort. Tu vas entrer. Ah merde. Pof. Est-ce que le lanceur fait... Merde. Méridian doit être nettoyé par le sang. Ah. Ah. Pourquoi résistes-tu? Critique. C'est bon, t'es mort. Viens par là, toi. La fin est viens, 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 viens. Allez. Non, non, mais si tu crois que je vais t'avoir... Toc. Toc. Allez, si tu crois que je vais me laisser avoir comme ça, par un mec comme toi... Hein? J'en mange tous les matins au petit-déj. Si les portes morts continuent, le pont va céder. Allez, 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 on avance, on recule. Le pont ne va pas tenir longtemps. Ok, plus de munitions. Qu'est-ce que je peux faire? Oh là 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 là. Déjà, ça l'a bien entamé. Est-ce que je peux balancer des grenades comme ça là? Il s'effondre, il s'effondre, hein. Attendez. Ok, ça c'est des bombes explosives, bombes collantes. Celle qui va t'anéantir. Je dois le repousser. Attendez, attendez. Pof. Toi, tu n'es rien. Allez, attendez, on va monter, on va le chercher en haut. Ça c'est pas bon. Ah là là, mais il est chiant. Il pose un problème. Il est trop dangereux pour approcher. Ah là aussi, je suis à sec. Allez. Ah là aussi, je suis à sec. Merde. J'ai explosé. Allez, on va le faire passer par là. Allez, viens par là. Genre, ça marche pas.
Allez, 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 on court. Bon, ça convient. C'est pas terrible comme combat, j'avoue. C'est un peu lâche. Ah, bah voilà, je peux faire. Yes, c'est bon. Il faisait tellement mal que j'ai préféré pas l'avoir au corps à corps. N'était pas écrit ainsi. Rien de tout ça n'était écrit. J'ai autre chose à faire, j'espère que ça fait mal. On va lui dire que rien de tout ça n'était écrit. Rien de tout ça n'était écrit. C'est toi qui l'as décidé. Tu as suivi les ordres sacrés des foules. Et pourquoi ? Mourir à genoux, manipulé comme un pion par une puissance qui te dépasse. Tu as pitié de moi. Regarde le soleil en face. Ouais, t'as bien fait de le tuer quand même. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait laisser quand même en vie. C'était écrit qu'on allait gagner, c'était obligé. Ouais, mais bon. Elise, qu'est-ce qu'il va nous donner? 13 de cristal, ok, on prend tout. Toc, toc, toc. Et là, faut aller par où? Faut aller par là? Forcer la porte. Ok, vamos. On prend tout. On descend. Ouais, ça a l'air d'être la merde quand même. Vous tirez où là? C'est bon, je le vois. Pourquoi j'arrive pas à la voir? Allez, c'est bon, j'ai commencé à bien réussir à la voir. Allez! Mais ça va repartir. Ouh là 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 là. Attention. Mode ralenti. Ok les gars, vous tirez vers où là?
dirais aussi que c'était trop simple. Allez, feu! Ok, je vérifie qu'il n'y a rien par là-bas. Oh! Et il y a encore un porte-mort. C'est bon, il est mort. Faut que je tire à peu près par là, je pense. Yes, c'est à peu près bon. Yes, on l'a bien eu là. Par contre, oh putain, il y a des trucs qui volent. Putain, c'est chiant. Merde, j'ai bougé au dernier moment, j'aurais pas tout. Ok, ok. C'est bon. Oh. Porte mort, il est tué. Ça, c'est ok. La corruption, on est bon. Exécution par arme lourde, exécution par arme de gel. On est à faire le niveau 35, donc ça, c'est cool aussi. Et toi, meurs. Toi aussi. Là, il y a un gros, là. Il y a un gros, il y a un gros, il y a un gros. Pou, 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 pou. Pourquoi je peux pas sortir? Pourquoi je peux pas bouger? Ah, je suis coincé dans le décor. Non, c'est bon. Ah d'accord, c'est un gros robot, c'est un gros oiseau. Ça, c'est chiant. Ça va être très chiant. Allez, 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 allez. De l'électricité, sérieusement. Allez, 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 allez. Arrête de bouger, s'il te plaît. Laisse-toi tuer correctement. Plus que deux petits. C'est bon, il est mort. Non ? Mais il est résistant. Si, c'est bon, il est mort. Encore un porte-mort. Mais c'est quoi leur armée de malades ? Bon, faut dire, le combat final, c'est quand même assez simple. Hein. C'est juste ça. Là, ça va être gros partout, je pense. Non, c'était bien. Allez, on recharge, on recharge, on recharge. On est bien placé. Ah oui, mais il avance le machin. Ok, ok. Allez, 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 oui. Oh. Allez, je l'ai tiré comme une quiche. Yes, yes, yes. Allez, dernier coup. Il est mort. On recharge. Ok, c'est... Ah non, c'est pas terminé. Attention. Oh merde, à l'œil, ensevelie. Ensevelie. Ça, c'est Hadès. Ah. Aloy. 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 Teb. Par la toute mère, tu es en vie. J'ai bien cru que c'était la fin. Les autres, ils sont... Non, non. Blessés, mais en vie pour la plupart. Les machines ont tout mis à sac, mais elles se sont pas arrêtées. Elles sont parties vers la flèche tout entraînant leur... triste trophée. Veille sur les autres, s'il te plaît. Il faut que j'y aille. Ok, donc là, c'est la merde. On se soigne. Faut qu'on aille, du coup, suivre le chemin de la destruction. D'accord. Bah, on va suivre le chemin de la destruction. Et... Oh non. Si on peut en même temps récupérer 2-3 bricoles.
Il faut que j'accélère. C'est par là qu'il faut aller. En fait, je vois rien, donc... Ok. Ouais, bon, je vous laisse vous en occuper, les gars, hein, c'est votre job. Moi, j'essaye de suivre le chemin de la destruction pour suivre ma destinée, en fait. Village de Méridian. Ouais, bah, il reste plus grand-chose du village de Méridian. Allez, nage, traverse, Aloy. J'ai confiance en toi. Ok. Bon. Tu n'es pas encore épuisé toutes mes forces. La glace et la neige m'ont forgé. Ouais, bah moi aussi, j'ai la glace et la neige m'ont forgé, hein, c'est cool. Vous ne m'impressionnez pas. Voilà, la nouvelle arme, quand même, jamais. Elle fait quand même vachement mal. Repose-toi. Et j'ai dit beaucoup quand même, là, d'un coup. Toc. Le petit pont, mais qui tient, on se demande comment. Et petite cinématique des familles, encore. Ça a commencé. Hadès lance la transmission. Bah, va lui péter la fesse. Copain, ça craint, hein. Ouais, bah c'est la merde. On monte tout en haut, du coup, là. Il a dû franchir les défenses. L'avant-garde des reines. Il faut que j'arrive là-haut. Je vais au plus vite, là, ma cocotte. Comme tu as pu le voir, je ne peux pas faire mieux. Hop, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Le pont a été cassé. Et l'avant-garde des reines est niée. Faut que je continue. Ah, allez. Je savais que ce serait pas. Bon, par où faut facile. Passer là. Je ne lâcherai pas. Oui, allez, on monte. Allez, Aloy. Ouais, forcément, il y a eu des dégâts, ils ont combattu quand même. Ils ont pas rien foutu. Ça... C'est déjà bien. Allez, hop. Et bah oui, bien sûr. Ça a été cassé là. Ah, faut descendre en bas. Aloy, c'est Aloy. Enfin, vous avez vu. On croyait que t'avais péri à la crête. Non, c'est elle qui m'est tombée dessus. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Je dois affronter Hadès. Pas toute seule. Pas le choix. Je ne peux pas vous demander de venir. On allait monter de toute façon, hein? Bien sûr. Le démon de métal doit mourir. Allez, let's go. Bon, on va prendre vite fait d'abord avant de monter. Si tu peux fouiller, Aloy, ça m'arrangerait. Voilà, un peu de potions, les trucs des familles et à l'attaque. On vient s'occuper de toi, Hadès. Ah oui. Bah en fait, faut que je descende par là-bas, c'est ça? Ok, bon, faut monter par ici. Je pensais que par où que je passais c'était le bon chemin, mais en fait non. Là aussi, il y a eu des petits combats.
Et ça doit être le dernier gros boss, ça, c'est le boss final, ce genre. L'intervention de l'entité a été anticipée. L'entité n'interrompra pas la transmission. Au contraire, les calculs sont parfaitement exacts. La présence de l'entité a bien été prise en compte. Et c'est la merde. Est-ce que je peux fabriquer des bombes collantes? Ouais, je peux en fabriquer. J'en attache une. Oui, on n'écoute pas. Pourquoi je peux pas l'attacher? Changement de plan. Il veut pas de mon arme, inventaire, arme. C'est laquelle qu'il me faut, c'est celle-là. On va la remplacer à place du lance-corde. Ok, bon, quand ça va péter, mais par contre, du coup, je l'ai balancé un peu trop tard. Ok, là, on va fabriquer ça. Putain, mais... Genre, il veut pas crever. Ok. En fait, ça lui fait que dalle. Wouhou. Ok, bon. Je ne sais pas comment lui faire perdre des points de vie. Que le porte-meurtre qui protège la lèvre. Allez, on va y arriver. On va attendre qu'il tire sur ça. Et là, j'ai mal joué en fait tout à l'heure quand il était en mode surcharge. Wow. 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 Yes, j'ai réussi à en péter deux. Et ah ouais, d'accord, en plus j'ai du temps. Ok, bon, comment qu'on va faire là? Corrompu frappe à nouveau, attention! Allez, allez! Ok. Ok, on essaye de mettre un maximum de flèches. 8 minutes. Pof, 240 en pleine tête. Allez. Ok. Pof.
te laisse pas submerger, Aloy. Ok. Putain, j'ai pas vu avec ces explosions à la con. J'ai encore. Je peux y aller. Putain, fais chier, bordel. Bon Dieu. C'est une coriace, celle-là. On va t'en débarrasser. Ok. Merci pour le coup de main. Il faut qu'on serre les coudes. Ah bon sang, fais chier. Ok, là on est bien. Ok. Fais-moi une deuxième flèche. Pof. 240. On est bien. 7 minutes, ça va être quand même tendu. Pof. Plus de munitions. On en fabrique d'autres, c'est pas grave. Pof. Pof. Ok, ok, c'est pas grave. On est bien là, on est bien. Oui, on est bon. Pof. Ah, j'ai pas réussi à aller à temps derrière en fait. Allez, 6 minutes. Oh, 240. Oh là 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 là. Comment fabriquer? Ah bah je n'ai plus de trucs pour fabriquer des bombes collantes. Ça c'est la merde. Bon, et moi faut que je me concentre sur lui. Ah, fais chier. Pof. Oui. On sortirait pas toute seule. Mes amis, vite. Ok. On est bien. Là, il s'occupe du gros marcheur, là. Moi, je m'occupe de lui. Pof. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je suis pas toute seule. Ouais, je sais, je suis pas toute seule. C'est cool. En attendant, on coche pour une flèche. Pof. Bon, 240, c'est pas grand chose, mais c'est tout pour ça. Pof. Allez. Ok. Ah, oh, je l'ai loupé, mais quelle quiche! Il nous reste combien de temps? Il nous reste 4 minutes, bon, je pense que ça devrait être bon, on devrait s'en sortir. Allez, on esquive. Tiens, on ramasse ça. Pof. Allez. Plus que un point de vie, enfin plus que pas beaucoup de points de vie. Pof. 600, il est mort, yes. Porte-mort est tombé. Nous avons réussi. Faut que je détruise Hadès. On va fouiller le porte-mort vite fait. Je récupère tout ça. Et faut que j'aille détruire Hadès. Donc, qui se trouve être? Pourquoi il me dit par là, puis après par là? Allez, on va lui mettre le coup de grâce à Hadès. Désactiver Hadès. Yes! C'est pas grave. Vaut mieux que tu meurs, Aloy. Pour sauver la planète.
système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. C'est la fin. Et Sona, elle est où? Elle est morte, Sona? Désolée, Gaïa. Qu'est-ce que je disais? Vous racontiez une histoire. Ah oui, alors... comme je disais... C'était un kit d'électronique pour enfants, mais je l'avais relié à une... Et résultat, le gazon a pris feu. Mais pas que le gazon, un grand pin aussi, qui était à côté. Il devait avoir dans les... 100 ans, au moins. Question. Quel âge aviez-vous? 6 ans. Ma mère était à la maison, heureusement. Elle a tout de suite appelé les pompiers, et après, elle m'a emmenée dans le jardin pour me montrer tous les oisillons morts, parce qu'il y avait plusieurs nids dans ce grand pin. Question. Qu'avez-vous ressenti? Je sais pas trop. Mais je me souviens avoir dit que je m'en fichais. Quand ma mère a entendu ça, je me souviens qu'elle a pris mon visage dans ses mains et qu'elle a parlé. Question. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que c'était très important. Elle a dit... Elisabeth, à quoi bon être intelligente si tu ne te sers pas de ton intelligence pour rendre le monde meilleur? Tu dois utiliser la tienne pour faire avancer le monde. Pour la vie, pas pour la mort. Vous parlez très souvent de votre mère, mais vous n'avez pas d'enfant. Je n'ai jamais eu le temps. C'est sûrement mieux comme ça. Si vous aviez eu un enfant, Elisabeth, comment auriez-vous voulu qu'il soit ou qu'elle soit? Eh bien, j'aurais sûrement aimé qu'elle soit... curieuse. Et déterminée, fonceuse même. Mais avec suffisamment de compassion pour vouloir aider les autres. Juste un petit peu.
Ok les copains, fin du jeu, on a réussi à sauver le monde. Bien sûr, forcément, fallait s'en douter, elle est morte. Mais on n'a pas appris d'infos sur... comment ça s'appelait déjà la zone disparue, là... Enfin, celui qui l'a... Si, bien sûr, il l'a cassé. Ça, on est d'accord. Mais normalement, on pouvait la réparer. Donc, j'aurais voulu avoir quelques petites infos dessus. Mais bon, tant pis. Tant pis. Donc, on a sauvé le monde. On est des champions. Est-ce que je vous laisse ça jusqu'à la fin ? C'est quand même assez beau, c'est quand même magnifique. Ils ont vraiment fait du super bon lot, le studio. Allez, je vous laisse profiter de ces derniers petits moments de jeu. Et puis voilà, hein, ce sera la fin. On sait jamais, au cas où que... Juste, j'étais en train de penser à ça. Au cas où qu'il y a quelque chose à la fin qu'on apprend en plus. Ça pourrait être toujours... C'est toujours intéressant de laisser jusqu'au bout. Est-ce qu'ils vont continuer aussi la série? Est-ce qu'il y aura un Horizon Zero Dawn 2? Pourquoi pas? Mais quelle optique... Enfin, quelle histoire ils vont partir? Sur quelle histoire ils vont partir? Ça, c'est la question. Parce que logiquement, là, on a éliminé toute menace. Donc à voir. Info, donc je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir suivi cette série jusqu'au bout, et puis je vous dis à la prochaine, bye bye, c'était Soy. On va juste passer, histoire de voir s'il y a quelque chose. Ah, j'ai rien dit, attendez, cinématique. Bonjour, mon vieil ami. Tu te souviens de moi? On a encore tellement de choses à se dire, toi et moi. Je veux tout savoir. Qui sont tes maîtres, pour commencer? Ceux qui ont envoyé le signal qui t'a réveillé? Le savoir demande récompense, tu ne crois pas? Allez, commençons. Oh le bâtard. En fait, il y aura bien un Horizon Zero Dawn 2. Petit jeu qui a l'air de bien mérité, hein, quand même. J'attends de voir vraiment la suite, à voir si on sera pas déçu, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de jeux, moi, à la suite des épisodes, c'était de la grosse daube, c'est le cas de le dire, hein. Là, j'attends de voir. J'ai grand espoir. Je pense que le jeu peut... Je sais pas pourquoi, je me doutais qu'il allait avoir un truc. Donc là, petit chargement qui est bien long, faut dire. Est-ce qu'on va encore avoir une nouvelle cinématique? C'est ça la question. Allez, le chargement est terminé là. Félicitations, vous avez vaincu Hadès et protégé le rêve de renaissance de la Terre de Gaïa. Bien que vous ayez terminé l'histoire principale, Aloy, vous n'avez pas pour autant terminé le jeu. Vous pouvez continuer à explorer le monde et finir toutes les quêtes et activer... et activé et inachevé. Le monde est à nouveau comme il l'était au début du chapitre Attaque imminente, avant la bataille finale pour Méridion. L'expérience et les objets acquis sont conservés. Merci d'avoir joué l'équipe d'Horizon. Appuyez sur X pour continuer. Ok, d'accord. Donc en gros, là, on est juste avant
juste avant la dernière quête. Donc on est passé level 36. On a quand même donc ça c'est cool. Aller parler au palais du soleil. Donc c'est pour aller parler au roi. Ok, donc bon, bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'endroits que j'ai pas exploré, hein, tout là, et donc plein de quêtes secondaires à faire. Bien entendu, je les ferai pas parce que par manque de temps pur et dur, sauf si vraiment vous les voulez, et du coup, laissez-moi des messages, et là, j'y repenserai. Mais il y a encore tellement de choses à faire. Regardez, comme là, rejoindre l'éperon. Rejoindre l'hôtel du lac, donc il y a vraiment plein de choses à faire que j'ai même pas fait, je pense. Je sais pas si on peut voir à combien de pourcents on est, mais je suis pas rendu à tout quoi. Donc là, éventuellement, ah bah tiens, j'avais pris recharge rapide, non, je l'avais même pas pris ça. Tir rapide, recyclage, désamorçage, ça peut être bien. Les bobines d'armes et les tissus de tenue peuvent être réutilisés, donc ça on s'en fout. Ça peut être intéressant aussi, et le reste on s'en fout. Ok, bon bah là vraiment des bisous, je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, un peu plus longue que prévu, mais bon, au moins on sait qu'il y aura une suite à Horizon, donc ça c'est vraiment cool. Ce qui serait bien c'est qu'il fasse un peu comme Mass Effect 1, 2 et 3, même le 4, que tu peux importer ta partie précédente pour un peu mettre ton caractère, et puis bon, là il n'y avait pas vraiment de choix cruciaux, mais il y aurait eu plus de choix cruciaux du genre on doit sauver tel peuple ou tel village, parce que soit on sauve le village A, soit on sauve le village B, et que du coup ça se répertorie je dirais dans la suite des épisodes. Ça j'adore ces univers comme ça où que tes choix sont vraiment tes choix sont vraiment importants et servent à quelque chose quoi. Donc voilà, bon allez, plein de bisous et merci encore d'avoir suivi toute la série jusqu'au bout pour ceux qui l'ont suivi. Allez, des bisous, bye bye.